Vas-y, c'est bon. Ah, bonjour, hein. Bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de l'aventure givrée de For the King, compagnie de Partival et de Shinra. Bonsoir. Bonsoir. Il fallait aller de l'autre côté, bonsoir. Les gars, fallait aller à l'autre port. Vous savez, il y a un marqueur sur votre carte. C'était super. On aime pas le retour pour rien. C'est ça, on aime se balader. Je vois ça. On dirait comme on aura exploré ces îles un peu plus tard. Je vais me balader. Voir les marchandises. Allez me balader. Avec trop d'argent, tu vas pas forcément aller loin. Ouais. C'est vrai. Tiens, je te donne tout. Cool. En tout cas, il a des choses fortes intéressantes, dont les paires de bottes d'année, avec un de régénération de la santé. Ouais. Ah, des bottes de force pour moi, il a les bottes de la vigilance pour personne d'entre nous. Je te coupe tout de suite, hein. On a vraiment pas... Ouais, on a pas un copec, mais il avait des trucs cool, c'était bien. Merci monsieur. Ah oui, du coup, au revoir, monsieur. Je skiffe, monsieur. Là, par contre, vous faites chier, monsieur. Hop là. Quelqu'un de talentueux. 55 c'était 100. Tout le monde le sait. Exactement. Monsieur joueur. Et ce qui est beau, c'est que c'est moi qui dois aller rendre le machin. C'est parfait. Mais voilà, tu vois. C'était millimétré. Et ben voilà. Paf, y'a plus qu'à équiper et c'est gagné. Alors, regardez bien la différence entre les dégâts. Ça va être assez flagrant. Je suis pas de 12. 23. Yes. GG. On peut continuer, c'est pas la veille. C'est bon, là. Dernier. Oh, oui. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai encore mon lutte brisé. Ok. Vous pouvez me rapatrier du coup. Pourquoi bah, j'explore la zone, au cas où je renvoie des choses. Okay. Vu que c'est moi la caisse à PV. Comme ça, par exemple. Par exemple. Non, on est niveau 3, les gars. Ouais, parce que je regardais. C'est niveau combien tout... Ah, niveau 5. Yes, on risque d'en chier un peu. T'entends juste pas, Shina, il se fait que je t'aime pas, mais vraiment. Pardon, je disais, on a juste enchaîné un peu trop vite la quête principale. Ouais, c'est pas faux. Tu peux juste jeter un coup d'œil à gauche avant de nous monter plus haut. Merci. Eh bah, nickel. Ah, l'ignoble pute. Elle niveau combien, l'ignoble pute? 3, 4. 4, on est niveau 3. Allez, c'est parti. Ça peut se tenter. Les boss sont toujours plus forts que nous, normalement. Ouais, à part si on a traîné un peu. À part si on a traîné un peu dans la zone et. Oh! Tu pourrais pas plutôt nous one-shot un garde? C'est vrai. Plus du. Juste parce que je vois qu'ils jouent tous d'affilée. Mais si, t'es caté. Tu le finis? Ça, moi, je peux taper sur l'ignoble pute. Bah, vas-y, tape sur l'ignoble pute. Ouais, je vais chercher les 35. Hein. Ouais, mais non, parce qu'en même temps, ça, c'est bien. C'est un bel investissement. Voilà. Ouais, j'ai investi sur la prêtresse. Quand même. Non, je t'entends vraiment pas, mec. Non, mais c'est rien, mon micro me souffle. Non, mais c'est aussi que tu pars trop loin en fait. Parce que j'ai un problème avec la voix. Ah ouais, okay, ouais. C'est ah ouais, parfait. Oh. Vas-y, fais-lui mal. Avec ton pingu là. 50% de chance là. Non, c'est une chèvre. Mais c'est une chèvre du très au nord. D'accord. C'est juste ça qu'il faut savoir. Oh, je tue pas les deux là. Non, lui, je le tue.
Voilà. Cool. C'est pas du tout celui là qu'on veut. On cherche un autre. Mais bon, oh, c'est pas grave, c'est fait. Hein. Bah, tu peux prendre fait. Parti. Ouais. Allez, bah ouais, tu te feras une jolie nouvelle coupe de cheveux, puis tu seras brune. Peut-être que ça te fera dépenser moins d'argent. J'avais espéré. Ouais, elle a une jolie coupe de cheveux et moi j'ai juste un seau sur la tête. Mon seau à caca sur la tête, c'est pas ouf. On va pas faire l'objectif de tête qui est là-bas. Mais attends, il y a plein de villes là, regarde, tu vois le crochet du corbeau. C'est très intéressant. Ouais. T'intéresse pas de libérer la ville? Mais je sais pas combien on. Et regarde notre vie, hein. Monsieur. Ah ouais, c'est vrai que ton micro ça commence à être critique en effet. Ouais. On... Niveau vie, on est pas ouf, hein. Ah, ça c'est niveau 4. Allez, vas-y. Allez. Vas-y, go. Pénétrer avec le groupe. Peut-être qu'on aura du stuff. Ouais, genre un nouveau truc. On aura droit à un son de groupe. Il faut être vigilant. Je passe. Tu vas me dire que. Bah attends. Oui, c'est toi. Délice de voleur, ça vous intéresse? Bah vas-y, hein. Tu sens que tu peux pas le faire. C'est pas... Non. Voilà. Je suis parti. Voilà. Ouais, tu pars. Et on va faire un petit soin de groupe. Allez. Voilà. Ça on est bien frais. Mucha gracias. Maintenant on peut se faire défoncer. Oh, il y a un loup de glace. Je suis un peu moins fan. Ah, faut faire des perfects là. Que pour le gun, que pour l'étain. Ah, mais vas-y. Comment dire Ouais. Ouf. Ah. Et un problème de régler. je tape plus qu'à 23, hein. C'est quand même problématique. Hein. Après, on peut tenter ça avec un peu de chance. Ouais, j'ai pas beaucoup de chance. Je le tue pas. Bah, t'as pas de chance. Oh ma pff. Eve. Notre premier décès. Totalement focus. Tout à fait. Pas du tout. Bah, bienvenue dans la peau de Ange. Vu que t'as pas d'armure, les mobs vont te pulvériser en boucle. C'est-à-dire que là, regarde, on t'a donné les bonbons et tout, et c'est toi qui as le moins d'armure et le moins de résistance. Voilà. Tu la raises, monsieur? Oui, je la raise. Vas-y, je raise la... Je raise notre ami... Ange 2.0. Il va pouvoir se faire un petit soin. Bon, juste un petit, ça suffit. Dépêche-toi, je suis en train de goûter. Belle esquive. 15, c'est 100, on est d'accord. Avec 69, c'est 0. T'as vu? C'est vraiment... Les stats sont très étranges dans ce jeu. Ah mais... Totalement. Totalement. Paraît, Ange tank plus, plus elle adore, plus elle tank à première vue. Oh là. Le zombie gelé, hein. C'est pas cool, hein. Ouais, moi tu peux taper, vas-y ma bourse. Hein. Ouais, vas-y, cogne encore. Si tu peux pulvériser le moucheron, sinon. Oh, ouais. Ouais. Ah, bah non. Ne regarde pas comme ça. Pourquoi j'essaye des choses, moi, des fois? Moi, 20. Je veux pas dire, mais les mobs ils cognent un peu. Hein. En fait, c'est ça, hein, c'est qu'on est tellement à Walp. Bon, un peu, ouais. Et le fait aussi qu'ils sortent de pour résultat et pas de. Aussi. Oh, tu pouvais tuer l'autre. Pourquoi t'aurais pas tué? Parce que c'était lui que je pouvais. Lui, je pouvais le buter. Ah, mais le gobelin si tu pouvais le buter. Oui, mais c'était celui-là qui jouait. Ok. Parce que moi, je vais pas lui faire des dégâts. Quoique, c'est... Ouais, non, je le tue pas de toute façon.
2, vous allez me le déglinguer là quand même. Bah non. Désolé pour celui qui va se prendre une claque. T'as de la chance. Oui. Et ça s'est très bien passé pour toi. Non mais c'est sérieux là, c'est pas ça. On est en normal hein, rassurez-moi. Oui bien sûr. Notre voleur, on va dire que c'est le bandit. C'est le bandit d'os. C'est le... Alors dites un peu le voleur de son cœur. Je vais prendre. Ouais, consomme, vas-y, consomme, passe un niveau. Voilà. Moi, t'auras peut-être des meilleurs stats, non, je déconne. Je vais donner une barbe de dieu à. Non, idéalement, faudrait que je fasse un groupe. C'est pas rentable. Ouais. Putain. Cher donjon. Ah, c'était cher, la hein. Fin. Ah bah yes. Bon, ça comment ça passe pas trop fort. Elle est level 4, elle est quand même pas trop fort. Ça peut se faire. Par contre, je t'appelle qu'elle mange le stuff, c'est plus. 25% de dégâts supplémentaires à plus. C'est la boîte. Oh, 3 de force. Du coup, j'aurai un truc immunité. Oh! Continuez d'équiper votre chat préféré. Ouais, n'oubliera. Mais donne-moi ça! Donne-moi ça, sale bâtard! Donne-moi ça tout de suite! Et je te donne une amulette. Moi, je me fous pas de ta gueule, je te donne une amulette. D'ailleurs, attends. Mais je m'en fous de l'amulette, tu peux la garder. Il y a quelqu'un qui a tout l'argent là, je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a tout le genre. Hein. Qui a besoin d'une amulette qui n'a pas d'amulette autour du cou que je lui file un. J'ai l'immunité à l'effroi pour celui qui veut. J'ai. Ah, moi j'ai une chaîne rouillée. Ok, bah donc je te l'arrange, elle ira vendre. J'ai une écharpe de soie. Quelqu'un veut un saut de démonie, ça rend moins intelligent. Non, c'est bon, ça va aller. Tiens, en je suis content à avoir l'air bon. Même en étant brune. Ah, yes, parfait, ça tombe sur moi. Beaucoup d'argent, même pas. Oh, très joli. Je pense que Ange voudra bien ton armure. Là, ouais, tu peux récupérer celle que j'ai déjà. Oh, une bourse de Mamadou. Ça nous fait la 6ème. On est 6, hein. 6, on est bien. Ouais. Ouais, on est pas comme la partie avec Parzi où on est. On nous a bouffé toutes nos bourses. Oh, c'est une horreur, ton micro, vieux. Je pense que t'as une tunique de voyageur. Tu ferais mieux de mettre un manteau de pêcheur. Ouais, bah il m'a pas donné un problème. Ah, c'est une. Attends, on a déjà un de base de toute façon. Je suis sur toi. Oui. Voilà. Et tiens, Vénal. Parce que l'esquive c'est beau, mais le jeu t'autorise à esquiver que quand il veut. Pas le oui. Hein. Et même quand t'attends des 50 ans d'esquive. Hein. On a vu ça avec Parzi. Non, 48, je suis monté à 48 ou 49, je sais plus. Ouais. Voilà, le jeu a décidé que j'esquivais que quand il voulait. Je lui ai mis une fois 75 d'esquive, il a quand même trouvé le moyen d'esquiver. Ah oui, moi 75 d'esquive, j'ai réussi à me prendre 3 baffes d'affilée. Ouais. Ouais, c'est ça. Vas-y, à toi. Oui, excusez-moi, on raconte nos vies, l'esquive c'est bien, mais c'est moyen. Ah ça, ils ont découvert le ping, ils vont me casser les couilles toute leur vie. Hein. Je déteste. Hein. Niveau 2. C'est Ange. Ah. Hein. Comment ça, on est que 2? Mais comment? Ah bah mais parce oui, que j'ai y a le... pas de distance, donc oui, j'avais bien fait d'attendre de pas y aller en fait à la base. Et après tu m'y as rappelé, je me suis dit ah ouais mais merde, ouais mais non. Oui mais en fait si, mais en fait non. Ah mes stats sont meilleurs là. Hein. Déjà t'as 85 de force comme, ah ouais. comme ta vitalité. C'est appréciable. Et j'ai l'impression de me sentir plus intelligent. C'est juste une impression. Plus talentueux. Et surtout je vois mieux. J'ai plus une vision d'alcoolique en tunnel vision. Je me sens un meilleur chat alcoolisé. Ah ça c'est pour Ange, ça c'est pour quand ça tourne de mal. Récupère. Ouais. Ah bah le soutien à distance. Cool. Filer ça à Ange.
Ouais. Pourquoi tu... Bah, je te le donne parce que vu que t'es sur la même case que Ange, tu peux lui donner maintenant. Ouais, donne-le-moi. Comme ça, tu lui files, il s'en équipe, et comme ça, je peux relancer le combat et aller dans le combat. De toute façon, on est en retard en XP du coup. Enfin, surtout moi du coup. C'est à moi qui ai le moins XP. C'est bon, c'est équipé ? C'est équipé. Super. Du coup, si je reclique. Combattre, on est 3. Parfait. 3 contre 3. Allez. Mais lâchez-moi la grappe. Oh mon dieu. Mais arrêtez. Aïe. Oh, j'en connais un qui va dégager vite fait bien fait. Ah, ça veut dire qu'en crit tu peux. Enfin, en full tu pouvais aussi dégommer le gobelin des neiges. Intéressant. C'est ça. Bon, ah non, il reste plus qu'à toi de nous montrer comment tu one-shot les gens. Vas-y. Yes! Ah ouais, mais là, si. En vrai, tu fais les meilleures attaques du groupe. Parce que tu lui causes des dégâts et ensuite on attaque deux fois derrière. Théoriquement, j'ai fait un but de dégâts. Et ça serait bien que tu lui files l'herbe de l'ermite à Ange, si Ange sait se servir des herbes, hein. Parce que je sais qu'il y a un peu que moi qui sais me servir de ça en général. Mm-hmm. Ouais, on fait ça. Allez. Mm-hmm. Et débloquons un village avec moult stufferies. Du stufferie. Vous savez ce que c'est, stufferie? Ouais. Ça me permet d'avoir des bonnes petites croquettes et de la pâtée. Bon, comment dire que... Oh, t'as tellement un micro, rip, putain. Ouais, ouais, je sais, je sais. Bon. Sorry. Fais-nous quelque chose d'impressionnant. C'est pas très impressionnant. Je peux pas dire, mais... 24, je ne tue pas l'autre, hein. Tape le chaman. Ouais, mais je le tue pas, le chaman. Le chaman? Pourquoi? Ah non, ah oui, je parlais de l'assassin. Excuse-moi, je suis sur l'assassin. Ouais, bah plus que le chaman. Ça fait une attaque de moi, c'est comme le. Ok. Ouais, je suis désolé, hein. Je fracasse celui-là. Hein. Non, mais t'as raison. En tout cas, depuis tout à l'heure, à part me froisser la moustache, c'est tout ce qu'ils font. J'ai fait 3 dégâts. C'est ridicule. C'est toi le tonk. Et le DPS aussi. Le tonk. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas mirobolant ce que je possède non plus. Mais là, déjà, pour notre niveau. Du savoir, j'ai trop de savoir. Ah, ça c'est intéressant ça. Mais j'ai un truc d'armure. Moi j'ai le truc qui est en distance donc je peux peut-être l'équiper maintenant. C'est pas mal, c'est intéressant. Allez, je l'ai équipé. Mais qu'y a-t-il de beau là-dedans? Il y a une quête annexe avec des bottes de la puissance. En quête, 1 d'armure, 4 de dégâts physiques, 4 de force. La quête est acceptée. Oh, faut aller faire des courses. En plus, on va être de nuit. Je sens que ça tombe bien. Tu me donneras le. Quoi dans le marteau? 3 barbes de dieu déjà. C'est bien vu. Pour ce demi-midou. Après, on est pas mal, on a 6, on s'en est pas servi encore. La pioche de guerre qui est sympathique si je joue encore au bouclier, mais on s'en fout en vrai. C'est comme de maître. La cote de plaque qui était. Il y a mon casque, il y a le casque du dessus pour moi. Et la cote de maille riftée en effet.
Et il y a des chaussons d'immunité à l'eau, pour ceux que ça intéresse aussi. Ouais, ben j'ai pas de chaussons, mais priorité barbe de dieu. Désolé, mais ça nous a coûté assez cher. Oui, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on t'entend mal, hein. Je vais me balader par là, vous téléporterez. Hein. Ah non, mais ça friture les oreilles, c'est excellent. C'est un vrai plaisir, je t'invite à aller regarder la vidéo. Bah, je me mute, hein. Mais non. Oh, j'ai tellement envie de faire ramasser. Bah oui, ramasse-moi, oui. Ramasse-moi. Comme ça, il peut me donner les 27 de thunes. Exactement. Toi, tu vas t'attendre en ville. Et tu fais du genre art. Et je vais même te donner. Je vais même te donner ma poussière de fée. Et je vais te donner l'ortie d'encens, que j'aurais pas trop besoin non plus. Ça tue les vents, on fait un maximum de joints art. L'ortie d'encens. Attends, tu vas avoir largement assez de thunes, hein. Ouais, je vais te filer d'abord mon casque. Déséquipe mon casque, je déséquipe mon armure. Enculé. Je te donne tout. Voilà. L'ortie d'encens, tu sais quoi, je vais l'utiliser, mec. Quoi? L'ortie d'encens, je vais l'utiliser. Quoi, tu vas l'utiliser? On va avoir 4 de déplacement supplémentaires. Mais t'as pas besoin. Allez. Pourquoi t'as besoin de 4 de déplacement? Aller jusqu'au la tombe au bord de la route. Et redescendre pour rocher du corbeau. Alors non, parce que tu auras peut-être besoin d'argent pour tout acheter, hein. Donc tu vas d'abord faire tes achats, tu vois ce que tu as à vendre ou ce que tu as acheté, et nous s'il faut on remonte avec le bateau et tu feras ça au tour prochain, parce que tu perds pas de vie en ville. C'est vrai. Voilà, hein, on continuera à monter le long de la côte, jeter un oeil encore. D'ailleurs je crois que je vois un temple d'ici. Ah non, c'est la table de pierre que je vois sous les nuages. Je veux dire, on peut tricher avec la caméra. C'est trop bien de pouvoir tricher avec la cam. Bon, je garde le... je garde les parchemins, je les utilise assez souvent. Hein. Et donc, tu voulais... Le home rond. Le quoi? Le home rond, on est d'accord? Oui. Le bouclier en bois robuste, tu le veux ou pas? Non, je veux la cote de plaque riftée. Botte de pêche pour celui qui a pas de chaussons. Parzi, t'as des chaussons ou pas? J'ai des chaussures en tissu. D'accord, ben moi je les prends alors parce que j'ai pas de chaussons. Voilà, moi j'en ai pas, mais on va en récupérer pour moi, donc je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La quête c'est pour moi. Et bien après c'est tout. Une bourse de bibidou s'il reste de l'argent. Ta alors, pipe du dessus si tu peux, j'en sais rien. T'as quoi comme... Non je peux pas. J'ai déjà la pipe niveau 2. T'as quoi comme arme s'il te plaît Ah oui t'es en... Toi de main qui fait 20 dégâts, tu l'as dedans là. C'est l'épée bâtarde je crois. Ouais. Parce qu'il y avait c'est ça, c'est la bâtarde qui fait 20 dégâts physiques. Il y avait la pioche à 2 de physique. Ouais mais il faut que je repasse en bouclier. Ouais. Alors ça me donne plus de vitesse, plus pour son chance de coup critique. Ça transperce les armures, c'est bien. Non, c'est pas mal, mais je fais moins de dégâts. Et, là, je trouve que j'ai un bon équilibre tank DPS, donc je vais garder cet équilibre tank DPS. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je tank plutôt bien. Alors, ton équilibre tank DPS, je le vois pas perso, hein. T'es plus DPS que tank. Bah, j'encaisse quand même pas mal de dégâts, hein. Ouais, là, c'est juste... Regarde dernier donjon, ceux qui tombent beaucoup en points de vie très très vite, c'était vous deux, hein. Regarde même là le combat avec le village, ce que vous avez pris en gif, ce que j'ai pris. Ouais. Du coup, on te ramasse pas. Puisque nous on va explorer pendant que tu vas aller voir ta tombe. Genre on va aller voir par ici. Vous êtes ici. Ah quoi que si du coup je peux te ramasser, tu seras plus près. Là ça changera rien en fait. Non, je suis même plus loin en fait. Merde, désolé. Ah, voilà. Désolé. Que lui il va vouloir bouger en fait par lui. Il va pas rester à camper sur place. Pour moi. Finalement, on a bien fait de te déplacer. Ouais. Faut pas assurer le coup davantage.
Ok. Bah utilise-en. Prends-le. Récupérer pour toi. Je suis de force pour l'instant. D'accord. Peut-être que ça intéressera Pardzi, ou peut-être que toi ça t'intéresse d'avoir un peu plus de points de vie. Ouais, pour toi ça serait mieux ma gueule. Hein. Après je sais pas ce que t'as autour du coup. Une écharpe de soie, 2 d'esquive, 3 de chance de coup critique, 2 de vitesse. Ouais. C'est intéressant. Après c'est 2 esquives pour toi ou c'est pour le groupe, je sais plus. 2 esquives pour moi. Ouais, peut-être que ça peut intéresser Pardzi, je sais pas ce qu'il est autour du coup, mais... Moi, ce que je de points de vie, là, ce serait pas mal. Ouh, j'ai une fraise élégante. Deux qui donne de groupe. Plus d'or. Deux ouais, esquives de groupe, c'est un multiplicateur d'or, 3 de chance. Mais c'est ma chaîne rouillée que j'aimerais bien changer. Ouais, je comprends, ouais. Pour l'instant, on n'a pas. Parce que... Puis mon lutte aussi, ça serait bien, mon lutte. Ouais, c'est possible, on n'a rien trouvé pour l'instant. On peut tu t'es équipé là de du... Non, je l'ai pas encore équipé, donc est-ce que je le... Vas-y, mets-le juste pour voir. Tu gagnes 6 points de vie. 7 points de vie. 6, t'étais à 61. Tiens, d'ailleurs, ça tu le veux pas, par hasard. Ouais, je veux bien ce qui me concerne, c'est pas faux. Voilà. Oh la vache. Ça voilà, là oui, là je suis d'accord, t'es tank. Ça tank déjà un peu plus. Bon, par contre, la résistance voilà. Physique a chuté. La résistance, excuse-moi, magique a chuté. Elle a augmenté pour moi. Non, je suis qu'à 1. Moi, ouais, t'étais à 0 tout à l'heure. Ouais, avec... Non, j'étais à... avec la truc de cuir, t'es à. Je te redis ça si tu veux. Ils en avaient une armure de cuir. Ah, c'est chiant, si, on s'en fout, marché. Armure de cure me donne les 3 de résistance, donc j'étais à 4. D'accord. Récupéré. Ah. Alors, qui veut un collier du mouvement? Plus vitesse. Intéresse quelqu'un ou pas? Ça peut intéresser par Zip, un mouvement supplémentaire, c'est toujours intéressant, surtout sur le bateau. Ouais. Juste tu joues plus vite après, c'est toi que ça t'intéresse ou pas, surtout. Ouais, si, vas-y, donne. Ok, je te donne. Ah oui, mais c'est pour ça que tu joues pas vite. Putain, faut qu'on... Dès qu'on a cette thune, faut qu'on aille en ville pour enlever nos malédictions. On a cette thune. Bah ouais, donc faudra s'arrêter en ville pour enlever nos malédictions. C'est pour ça que tu joues en retard, t'as la malédiction là, t'as la léthargie. Est-ce que tu veux des bottes d'explorateur? Parce que... Ah oui, ben non. Ouais, vas-y, vends. Ouais. Je donne à Ange, fais ce qu'elle veut avec. Voilà. Bah t'as mieux, t'as ce qui correspond à ta classe. Okay. Gardez-y, c'est le prix du... Ok, on peut m'enlever le point là, ça me stresse. Bon, du coup, faut remonter, c'est ça? Ouais, aller en ville. Non, on va toujours en bas. Marché oui, nocturne. Faut aller au marché nocturne. Ouais. On m'amuse aussi à mettre des points partout sur la carte. Tu pourras me donner la boîte, s'il te plaît? Comme ça, j'irai faire les... Oui, bien sûr. Histoire de bébé, avec grand plaisir. Oh, 5 de nous, vas-y, fonce ma poule. Jusqu'ici. Jusque là, plutôt. Oh, ça change rien. Knarfang. Oui. Non, j'ai rien dit. Je pense que tu veux garder les fléaux d'herpi pour plus tard. Oui, d'ailleurs, je devrais les partager, hein. Pourquoi j'en ai deux? Tu me donnes l'item de quête, Knarfang? Oui, en fait, les fléaux, ça a utilisé quand on a une malédiction qui nous met dans la merde. Et tu voulais quoi, le truc de quête, tu l'as déjà? Ouais, merci. Bon, bah, je vais faire mes cours. Est-ce qu'on ramasse ou est-ce qu'on tape l'armurerie? Ah, oh, y a marteau jouet. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des conneries comme ça. Et ça fait bing.
Ah, il y a le tromblon là en attendant. Et il y a le bonbon caramel. T'as pas acheté le bonbon caramel? Non, attends, bah, faut acheter ah le bonbon ouais. Caramel. Tu peux prendre aussi une. Ouais, après c'est pas trop urgent, mais en soi tu peux prendre une soie de feu. Ça... Oh, ça le trèfle à 4 feuilles. Elle l'a déjà pris. Ah, yes. Ouais, et puis un petit tromblon là, juste. Si c'est faisable. Ah ouais, 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 bah j'en ai marre là de lutte, pas dégâts. Ouais, enfin tu ralentis quand même bien les gens. Hein. C'est... Oui, tu fais pas de dégâts, mais tu ralentis bien les gens. T'es super, hein, que... t'es pas forcément DPS. Hein. Du coup, j'utilise le bonbon caramel. Bah oui, c'est toi qui fais des dégâts. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, tous les bombards, c'est peu... tous les bombecs, c'est pour engin. Botte d'explorateur, personne en a besoin, on vend. Si tu les as, c'est qu'on en a pas besoin. Botte de puissance. On vend. Ça y est, c'est vendu. Il y en a une qui va rentrer chez elle à la nage. On va voir comment elle nage avec des bourses à coton d'or. Ouais. Pouf. Hop là, file-moi les bottes. Yes. J'ai failli m'expliquer les ventes. Mais il faut prendre son temps, monsieur. Hein. Oui, non, non, mais c'est pour ça, j'ai laissé. Voilà. Vider la cime gelée dans les étendues machin, vider le sanctuaire de bidule, vider un autre sanctuaire qu'on voit pas. Donc maintenant, on sait qu'il va falloir aller dans les îles qui sont à gauche. Voilà. Cool. Au passage, on n'a toujours pas trouvé la troisième village qui est, moi, je qui sais où est il par ici. Hein. Voilà. Je sais où il est. Tu sais où il est? Ouais, il est là. Est-ce que je vous ramasse mes poulets? Ouais, Manavik, il est là. Ah, ah oui, Manavik, en effet, oui, on le voit. Est-ce que je vous ramasse? Yes. Ouais, ouais, vas-y. Hein. Moi aussi je laisse mes points, je fais comme Shina, je vais laisser traîner mes points. Voilà, c'est très intéressant. Et c'est une belle balade à bateau qui se... Y a un fléau des harpies à acheter. Hein. Ça va l'enjouer. Et il y a le béret pour le monsieur... Il y a le béret du monsieur. Il y a le béret élégant. Ah mais... Ah oui, bah c'est béret élégant que tu uses. Il y a un fléau des harpies. Faut que je te file de la thune, meuf. T'es parti, j'ai plus le temps de te donner 20 balles. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et moi c'est pas, il me faudrait les 20 balles là. Ah oui, il faut qu'on ait sorti nos malédictions qu'on a sur le cul. Bah c'est 20 balles, ah une... Bah, une malédiction de machin là. Ouais, c'est un bénédiction ou guérisseur? C'est bénédiction. Putain, c'est 20 ouais. balles. C'est 20 balles. Putain. Bah, écoutez bah. Les gars, moi je peux pas vous donner davantage. Je peux donner au moins... Bah donne 20 balles à part 10, moi j'en ai pas besoin. Ouais, je sais pas. Ah, enfin moi... Ah, non, ouais. C'est bon. Très talentueux, puis ça va voir. On avance un peu. Bah, concrètement, toi, ton talent, c'est pas forcément handicapant parce que déjà, regarde, tu réussis presque tout ce que j'ai. Ouais, enfin, je suis artisan, normalement, je suis censé me servir de mon talent. Oui, mais on a quelque chose à amorcer, mais on a par 10, donc c'est très bien. Voilà. Et, ouais. Hop, j'attends ici. Ah, je subis des dégâts de froid parce que j'ai pas tout utilisé. Mais c'est pute. Mais j'ai subi moins 3 dégâts, pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé tous mes moves. Je dégueulasse. Ah bah non, bah moi aussi. Ah non, c'est parce qu'on arrive dans une région où il fait tellement froid qu'on perd des dégâts. Ok, excellent. Super. Bah on va commencer à bouffer. Hein. Tu veux... Va un cran à gauche. Mets un pied à terre. Dans le bâton. Non, je t'avais dit d'aller un cran à gauche. Bah écoutez. Vas-y, on bûcheconne. On a pas de panax, hein. On a qu'une panax, donc on va se calmer. Super. Fallait fuir.
Ah, et, je sais pas ce que vous foutez avec vos micros, mais ça me casse les couilles là, vraiment. Ça me pète les oreilles. Ah, désolé, c'est moi qui ai replacé mon casque. Ouais, tu replaces en... tu remplaces ton casque toutes les 10 secondes. T'as pas équipé le stuff que je t'ai envoyé, C'est parce que tu l'as acheté le tremplant. C'est pour ça qu'on est fauché. Okay. Ah oui, d'ailleurs, il a même pas mis des rails les gars non plus. Bah non, j'ai pas. Ah, tu sers à rien, parti. Pas... Pourtant, t'as eu le bon jouet. On replace son casque, on replace son casque, hein. Mais on met pas le bon casque. C'est pour ça que t'es obligé de replacer ton casque. Ah, c'est parce qu'au bout d'un moment, il est lourd. Un béret élégant, c'est trop bon. Oui, ça c'est bon. Yes, à la base, fallait faire ça. Je me dis que je perds beaucoup moins de PV. Je vais surtout embrouiller celui-là. Embuscade 15% 100%. Non. Je rappelle que lui aussi pète les machins. Ouais aussi ouais. Non je crois pas. En vrai je crois pas que c'est lui. Je crois que c'est vraiment le Bernard Lermite, celui qui a une coquille en forme de crâne inversé. 25% de dégâts supplémentaires pour ça. Ah oui non. Il m'a mis du combien là? 23. Par contre, comme tous les crabzous, il fait très mal. Le mec qui a fait ce jeu met beaucoup les crabes. Ouais. Deux levels de plus que toi. Ouais, vas-y, je te laisse le prendre avant. Ah, je vais perdre 3 PV, c'est trop bien. Claque tous tes points de concentration avant. Ah, oui, c'est vrai. Pour tout, pour tout. En plus, tu vas régénérer toute ta vie. Pour tout, t'en restes encore un. Qu'est-ce que t'as fait? Mais il voulait pas il veut pas monter jusqu'à 10. Non, mais si, c'est juste que il faut recliquer à droite un peu. C'est sinon, il a du mal. En fait, si tu cliques au même endroit, il a du mal. T'as combien de multiplicateurs d'or là que je rigole? 35? Je sais pas, 35, tu fais quoi là? Rentre dedans, fais pas chier. Ah, tu veux que je rentre dedans direct? Ouais. T'auras encore tes points quand tu sortiras, qu'est-ce que tu nous embrouilles? Stylé. Tiens, on va laisser quelqu'un de musculeux le faire. Super, j'ai quasiment rattrapé mon retard sur lui. Plus de portes. Oui, c'est moi qui prends l'XP. Alors en vrai quand c'est comme ça, claque-toi plutôt justement la soie de feu. Parce que les barbes d'yeux du coup ont plus de valeur puisque elles peuvent tous te soigner. La soie de feu elle ne peut soigner que toi. Donc du coup tu te remets full toi. Et voilà, en fait juste je ça. Je ne savais pas. Désolé. Oui pas de soucis. Et en plus elle te rend des elle te rend des points de concentration en plus. C'est cool. Ok, c'est pas précisé par contre ça. Je crois qu'elle en rend que deux, comme une auberge, je crois. Un super truc devant la face, il veut pas dégager. Hein. Oh ce bouc. Ah ouais, bah grosse résistance, hein. Franchement ça fait plaisir. Je suis très impressionné, hein, monsieur. Ah oui, mais il peut pas saigner, putain, c'est un squelette, je suis pas prêt. Il peut saigner. Ah non, c'est saignement ça, c'est lequel qui peut. Ils sont tous immunités contre le saignement. Ouais, mais c'est... je croyais que c'était beaucoup de poison. Et moi aussi, je me suis fait avoir avec mon arc. C'est le bouc. Je me demande bien ce que tu pourrais faire. Oh, je sais pas. Une soie de feu, je vous laisse tout le monde se décharger. Oh, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Ah
mais je dis, quand ils me forment, ils ont beaucoup de niveaux, c'est con. Oui. Bah ils ont deux niveaux de plus que nous, oui. Ouais, ça veut dire que le boss à la fin sera encore plus fort. Non, il y en a un qui a deux niveaux de plus que nous. C'est celui qui va mourir là. Maintenant. Ça fait mal ça. Arrête de toucher à ton casque. Mais j'y touche pas. Bah là si. Bah merci, je sais encore ce que je fais d'une main. T'écouteras la vidéo, tu verras t'as tort. C'est tout. Tu verras juste que t'as tort. Igor te score. Je vais pousser ton son à fond comme ça les gens te diront tous t'as tort. T'as le temps de tuer, ouais t'auras le temps de... Ah oui t'es... Ah oui non tu recharges ton pistolet. Non, c'est fait. Il me semble avoir rechargé tour d'avant. Ouais mais du coup Ah oui tu fais... En plus toi qui fais moins de dégâts. Tu ralentis pas les gens et tu fais pas de dégâts, mais tu sers à rien en fait, c'est ça le truc. Bah ouais. Ce critique était fort appréciable. Chargez un petit enchaînement. Hein? Ah oui, il fait du renvoi de dégâts le con. Voilà. Putain, moi je voulais pas qu'on le tue, je voulais qu'on le capture. Franchement, et t'amènes ça à Marseille, tu deviens un dieu pour les Marseillais. Hein. Tu peux le couper en petits morceaux pour le mettre dans le pastaga. Hein. Tu deviens un dieu. Petit cube de gelée. L'avantage d'avoir l'inspiration. Oh, ça c'est bon, pardon, c'est pour toi. Non, c'est pour moi. Déjà parce qu'il faut être musculeux. Et ensuite, ça me permettra peut-être, si j'y arrive, à obtenir non seulement le strength group total. Et sinon, bah au pire, je récupérerai mes points. Et vous êtes tous full points et full vie. Ça, c'est mon cadeau. Génial. Donc, je peux claquer un soin de groupe. Cool. Exactement. On est passé niveau 5. Ouais. Ça fait plaisir. Maintenant, on a le niveau. J'hésite. Je peux faire un gel de groupe si vous voulez. Ça fera 25%. Ah non, il y en a un qui sera pas gelé. Il y en a un qui est immunisé. Ouais, ça fait 25% de dégâts supplémentaires pour tout le monde. Sinon, avec les 26, moi je dis tu tapes sur la goule du milieu et j'essaye de la finir. Et si je peux pas la finir, Portzy la finira. Je repasse sur lui. Alors, on vient de passer un niveau, n'hésitez pas à claquer un point ou deux. Attends, sinon je lui mets la max direct. Là, la max. Là, tu faisais ça sur le... Oui, mais enfin, le mec, à part nous faire un peu de gel et faire beaucoup de résistance, de défense ou des trucs comme ça, c'est pas sur tous les deux. Il peut faire très mal. Par exemple, le mec de gauche, je trouve qu'il fait beaucoup plus mal. Léger, ouais. Tu as touché ton casque. Oui, je le remets en place, j'ai mal au crâne avec. Les gens sont témoins. Beaucoup trop cher, cette attaque. Sérieux. Mais franchement, mais des points, quoi. Tes caracs sont nerfs. Tu le tuais, quoi. Super bonus à résistance physique, ça fait trop plaisir. Table de cube de gelée. Table de cube de gelée. Je m'occuperai des derniers points de vie du mage d'os. Tu peux slow. S'il veut bien. J'ai envie de claquer des points pour ça. Ouais non, ça vaut pas le coup. Sublime, on reste une petite APV. 14. Et j'ai le double empoisonnement.
là je compte 3 d'un coup, 6 d'un coup, 6 d'un coup, excuse-moi. Je veux bien la sauter. Dégage, chaton. Oh putain, il y en a. Oh ouais, mais t'en as déjà un. Ouais. Bah tu vois, à chaque fois ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Chez le Mac. Chez le Mac. Là, tu m'envoies la soie de feu. Vraiment. La soie de feu mmh. Ok. Tenez. Est-ce que je fais un son de groupe? Bah non. Utilise, utilise la panax sur toi. Ouais. Et bon, ouais, en bon, fait, j'aurais pas dû cramer un saut de feu. Et j'aurais dû. Ouais, t'aurais dû faire un spawn group direct en fait. J'étais con. Ah, vas-y, fais un spawn group, écoute, hein. Ça va, profitera par le ah, ça me suis encore empoisonné. Oh là. Bah, bien sûr. Pas sur lui. Non, 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 mais attends, j'ai juste musclé moi. Bah, moi, c'est sur lui, hein. Ah, non, le guerrier. Parce que j'ai pas envie qu'il soit chiant, en fait. Je mets 31. Vas-y, hein. Les deux sont chiants. Mieux, il frappe toi. J'ai déjà plus de vie. La grosse blague. T'as pas un truc où tu peux faire cramer tout le monde, toi? Avec ce bâton là. Crie fort. C'est là. Ouais, bon, lui, juste de toucher. Ah, moi je frappais pas aussi fort que ses résis. Et la résistance physique qu'il avait. Pas magique. Le violet c'est pas magique. Bah il avait pas du violet, il avait du bleu. Il y a une différence entre les deux? Ah non mais oui. Non mais je suis moi pour moi je voyais. Enfin je pensais qu'il avait du rose sur lui. Tu vois. Oui bah voilà, c'est pour ça que le bonhomme de neige je le frappais pas. Je parlais pas du bonhomme de neige, je veux dire t'as cassé les points sur un mec qui avait un point de vie. Bah écoute, pour ma gueule. Bah vas-y, prends. Toujours, pose même pas de questions, toujours toi, sauf si c'est du physique. C'est du physique. Une racine dorée. Bon bah, Re-soin de groupe, encore. Ah bah, y'a pas trop le choix, hein. Oh là. Allez, vous choisissez malédiction ou poison? Vous avez deux Malédiction, poison. Je suis déjà empoisonné, donc quitte à choisir, autant avoir le poison. À moins que tu puisses one-shot le commis à la poudre et que t'es sûr de le one-shot. Là, je suis à 75% de chance. Donc t'es pas sûr de le one-shot? Non. Tu fais combien de dégâts avec ton truc, là? 41. Ouais, tu one-shotteras pas. Tu peux taper sur fleur venimeux, on va se bouffer le tonneau. Yes, merci. C'était judicieusement choisi. Très bien. Eh bien, la max, hein, y a pas trop de choix. Max. Très joli critique. Laisse-moi tranquille, tu vois bien que je suis déjà empoisonné là. Merci, Luigi. Le poison, c'est si fort. Putain. Ouais.
Nous on peut pas empoisonner, c'est ça qui est le problème. Pas. Ça baisse toutes les stats, ça serait trop fort. Ce serait tellement fort si on en avait. Ah, me rappelle quelque chose cette lance. Je gagne un peu d'XP pour le fun. Ce donjon commence à coûter très cher. Oui. Oh. Ah. Tiens le mage. Bah non, moi je m'en fous de ce truc. Moi je peux. Ça m'enlève toutes les maladies, toutes les ça immunités. Ça n'a aucun intérêt. Les immunités c'est tellement fort. Ouais. Ah ouais, t'es immunisé contre tout là. Et entre autres contre la glace. Ah, ça par contre c'est intéressant ça. Ouais, je connais qu'il va se les équiper tout de suite. Comment tu as défini? Ah, on a un temple d'un con qui va apparaître. Ouais, c'est vrai. Putain. Ah mais là on va comment? Les villes ont été réinitialisées. Les villes ont été réinitialisées, étant donné qu'on n'a pas fini d'explorer autour de Vallon Glacé, je propose d'y retourner. Ouais. Pour ce gros stuff et tomber sur des monstres plus de notre niveau. Ouais. Alors vite, tu me donneras l'argent, s'il te plaît. Puisque c'est encore à la nuit, tu pourras pas donner mon argent à côté. Descendez à ce niveau-là. Vous perdez moins de vie à ce niveau-là. Ouais, exactement. Je te la donne. À première vue, la clé de l'armurerie sert à ouvrir un truc. Hein. Je sais pas si du coup. D'accord. Faut y retourner. Je vais enlever ce qu'il y a dedans. Il y a de la barbe de dieu, il y a... Je peux monter ma pipe. Du torné. Je peux monter ma pipe. Yes, c'est celui-là de lutte qu'il me fallait. Eh ben, je ouais, mais prendre. Toi ça veut rien que t'y ailles, toi il fallait que t'explores des cases et c'était c'était avant d'y aller, t'as rappelé dans le bateau, tout ça, c'est pas grave. Du coup tu peux passer ton tour sur place. Ah, il garde toujours des stuffs à vendre, ce que je vois. Bah non, c'est parce que je viens de les déséquiper. Surtout ça, monsieur. File-moi les 10 d'argent tout ça et regarde si t'as du stuff encore à vendre. Hein. Donner pour vendre. Non, non, bah non, ça y est, j'ai tout vendu. Ok. Alors. Quête, il y en a pas eu. Marché. Voilà. Barre de Dieu. La barbe du en prio. Hein. La pipe peut être montée au niveau 3. Vas-y. Et je peux prendre ton lutte orné. Parfait. On va explorer un peu dans le nord si c'est possible. Tu peux prendre ça. Tu peux tout claquer et prendre ça. Là, c'est pas le grand, en tout cas. Non, je l'ai pas. Il n'est pas encore débloqué dans mon truc de savoir. Mais tu peux continuer à l'explorer. Vas-y, regarde-toi. Ok. Là, on te rappellera. Si on peut te ramener, on te ramènera. Voilà. Parfait. Utiliser. Récupérer. Et j'étais un gros enculé, j'ai rien vendu. Parce que je suis un débile. Ah ça c'est dommage. Ouais. C'est quoi, je vais quand même commencer à revenir parce que je pense pas que tu puisses me ramener aussi loin.
Il doit être à la limite. Du coup, tu perds plus que 1 point. Ouais. Et bah, on te ramasse. Du coup, bah, moi je vais embrouiller ce type là. Je vais embrouiller ce type là. Je on se régale. Ils avaient pas de panax, ils avaient rien. Non, ils avaient rien. Il faut chier, ils ont pas de panax, c'est vraiment la mort. Ok, ça va. Ça va. Les forces battent. Oui. Perds tous tes points avant. Je pourrais pas vous avoir avec moi, donc je pars là. Tu peux me donner mon loot, s'il te plaît? Ah, je te l'ai pas donné? Bah non. Je te donne ça. Merci. Ramène-le. Je te ramène Knarfang. Ouais, et tu peux lui filer le loot tout claqué. C'est fait. De toute façon, je vais repartir vendre, je pense. Tu peux aller. Ça va être l'armurerie, là. L'armurerie, elle est où? À droite. Bah, au pire, toi, va t'arrêter en ville. Pour obtenir un peu de thunes. Pourquoi? Pour qu'il se fasse un peu de thunes, il va récupérer 24 PO, c'est toujours 24 PO. Oui, environ. Et si tu lui files l'or, il peut même enlever le poison qu'il a sur le cul. Yes, je vais filer ça. Attends, je vais même faire mieux. C'est quoi? Je vais filer tous les trucs à stuff, ouais, comme ça tu m'entends. Voilà. Ah, voyons, tu m'as pris pour ton. Garçon de course, totalement. Pourquoi? Ça va se payer cher, ça, tu sais. Ouais. Bien que tu vas le faire. Bah ton anneau de l'amitié tu peux le garder. Petite bague de l'amitié comme ça. C'est con, ouais je sais. Du coup on va pouvoir taper en la grotte des neiges de niveau 5, puisqu'on est tous niveau 5. Ouais. Bientôt niveau 6. Inspiration c'est utile. Inspiration c'est utile. Ouais, ça proche. Parce qu'il y en avait un de nous qui était un peu en retard sur l'espèce. Il termine ton tour là. 27 pièces m'amène. On va même repasser un peu plus haut à l'autre ville en haut. Je sais pas comment ça s'appelle. On va récupérer de la barbe de Dieu aussi. Parce que là, 9, waouh, vache. C'est quoi cette merde qu'on a là en face? Un crack de c'est ça. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a... Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre? Ah, mais voilà qui est déjà mieux. Parce que je l'embrouillais, on est pas plaisir. Allez, faites-vous plaisir, les copains. Là-dessus, non. Ah. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Yes. Tout le monde sait très bien que 12% c'est 100%. Mais 11 c'est 0 et 17 c'est 0. Ouais. C'est un peu excessif, vous croyez pas? Ouais, c'est un peu excessif, ouais. Pour un crack qui ne rejoue pas tout de suite. Après, je sais pas si y en a un autre qui peut le ralentir. Je vais te dire ça. Ouais.
pourquoi j'essaye des fois. Bah surtout, en fait, quand c'est trop difficile comme ça, n'hésite pas à lancer le sort du dessous, comme ça t'es sûr de faire plus de dégâts. Ouais. Non, je peux pas le ralentir, mais je peux le tuer. Mais t'as percé toi ? Oui. C'est pour ça qu'il est trop bien celui-là. Il a 21 de dégâts, monsieur. Ouais, bah ouais, là de 11, enfin de 10, 11, je suis passé à 21. Attends, chat, tu m'embêtes là. Bon, allez, je vais de pas vouloir bouger. Tiens. Merci, garçon de course. Garçon de ferme, pardon. Du coup, je peux avoir le machin de l'armurerie ou. Non, mais passe par là à droite, parce que par la droite on sera moins loin encore. Et du coup, ça nous laisse un plaisir qui est sur le bon chemin. Tu peux encore monter d'une case. Pas gênant. Et on fera ça deux jours dans un prochain épisode. Un petit moulet oui, pour ceux qui veulent passer leur niveau. Yeah, bah moi. Bisous, voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. Oh bah attends. Non, y a que lui. On va se le faire le Yeti solitaire. Il est solo. Ah bon ? Ah, il est solo. On va se le faire. Bon bah, reste avec nous YouTube alors. Oh. Là, là okay. Tu, par exemple, tu peux claquer tous tes points parce que tu vas passer un niveau. Là, tu peux tout mettre. Là, tu peux le full. Le full. L'as. Ah, voilà. C'est celui qui a la grosse, c'est ça? D'accord. Bah, du coup, tiens. Pas mal ça. Ah, du coup, je suis un homme pressé, c'est ça? C'est ça, un homme pressé. Mais pressant. Ah, bah, super. Ok. Deuxième, on a pas... Deuxième essai. On apprécie le 80%. Ouais. Si c'est pas beau ça quand même. J'espère que le loot sera en conséquence parce que clairement. Ah, je tape, 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 tape. Ok. Une question. Ah oui, en plus tu perds ça avec tes dégâts. Bien, monsieur. Allez. Oh, ouais, le loot n'était pas en conséquence. Attends. Ah, c'est mort, c'est vrai, il y a un petit truc derrière. Ouais. Il y a un moine piégé. Mm-hmm. Pour ceux qui n'ont pas la classe. Vas-y, nous faut quelqu'un de musculeux. Ah bon? Ok. Vas-y. Vas-y. Aide-le. Les villes ont été réinitialisées. Oh. Plus de PV. Nice. Tu régènes ton jeu. Et voilà. GG à vous. Ah, c'est à moi par contre. Okay. Je ramasse tout le groupe. J'avance d'une case. Et on fait des bisous à YouTube, parce que j'avance de plus de cases. Et on fait des bisous à YouTube, et on lui dit à la prochaine. YouTube, à la prochaine. YouTube.